Bonsoir. Nous sommes le 20 janvier et la Tribune des travailleurs cette semaine titre sur la question suivante: pénurie des vaccins, licenciement, les responsables sont au gouvernement. Il est clair que nous sommes dans une situation où, après le scandale des masques, le scandale des tests, le scandale des lits en nombre notoirement insuffisant dans les hôpitaux, nous sommes maintenant confrontés, comme le dit la Tribune des travailleurs, au chaos de la campagne de vaccination. Un calcul simple. Au rythme actuel des vaccinations, si l'ensemble de la population française demandait à se faire vacciner, il faudrait 10 ans pour satisfaire à cette demande. Oui, 10 ans, vous avez bien entendu. L'éditorial revient sur cette question. Alors, il y a bien sûr, et c'est normal, un débat. Un débat parmi les travailleurs, parmi les militants. Un débat sur la question de savoir si les conditions sont réunies pour une campagne sûre de vaccination. Ce débat est légitime. Et la page 11 de la Tribune des travailleurs est consacrée aux contributions de lecteurs, de camarades, dont certains expriment leur réserve vis-à-vis de la campagne de vaccination, et leur réserve par rapport aux articles précédents de la Tribune des travailleurs. Notre camarade Paul Rebelle répond, c'est une discussion que nous poursuivrons. Mais il n'empêche que pour ceux des travailleurs, des militants, qui sont nombreux dans ce pays, qui estiment qu'ils doivent se faire vacciner, il est clair que le gouvernement a organisé le plus gigantesque chaos. Et la page 3 de la Tribune des travailleurs rassemble non pas tous les faits, mais un certain nombre de faits qui sont accablants pour ce gouvernement, qui, parce qu'il s'est soumis aux décisions de l'Union européenne sur le contingentement des vaccins, parce qu'il s'est soumis aux exigences des multinationales, dont Pfizer, qui ont intérêt à livrer les vaccins petit à petit, en petite quantité, de manière à ce que les cours ne s'effondrent pas et que les profits puissent continuer à rentrer dans les caisses, ce gouvernement organise dans ce pays le plus gigantesque chaos, interdisant de répondre à la demande légitime des moyens nécessaires pour la campagne de vaccination. Mais dans la Tribune des travailleurs, si nous dénonçons l'ensemble de ces éléments, si nous rapportons les faits qui montrent à quel point ce gouvernement est coupable, coupable de sacrifier la santé, la vie de la population aux intérêts des multinationales et du capital financier, nous rendons compte également d'un mouvement qui est en train de se dessiner et qui, à nos yeux, est d'une extrême importance. C'est le mouvement par lequel, à la base de la société, les travailleurs, souvent avec leurs syndicats, mais aussi les médecins, les personnels soignants, parfois les élus, cherchent à surmonter les obstacles dressés par le gouvernement et à faire en sorte qu'en dépit de tout, il soit répondu à la demande très largement partagée que les moyens soient donnés pour une campagne de vaccination. Votre attention sera attirée en page 3 de la Tribune des travailleurs par le récit que fait le docteur Paul Rebelle. Dans sa commune, dans le chef-lieu de canton, les moyens ont été rassemblés, des médecins se sont mobilisés, des personnels soignants, des élus. Un espace a été saisi de manière à ce qu'un centre de vaccination digne de ce nom peut fonctionner dès à présent. Il ne manque qu'une chose, des doses de vaccins. L'Agence régionale de santé, au compte de ses calculs savants de répartition au compte-gouttes, refuse à ce centre de vaccination qui est constitué avec du personnel qualifié prêt à le faire fonctionner, refuse les moyens de la vaccination. L'exemple donné par Paul Rebelle est extrêmement probant, mais il n'est pas isolé. Il y a dans ce pays, dans des dizaines, dans des centaines de localités, à l'identique, des médecins, des soignants, des élus qui disent: nous fournissons les salles, nous fournissons les personnels, nous fournissons tous les moyens, donnez-nous les vaccins et nous organiserons, car nous en avons la compétence, la campagne de vaccination sur la localité ou sur le canton. Ce mouvement venu d'en bas, qui cherche à organiser par lui-même la vaccination de masse auquel aspirent des millions de travailleurs, de jeunes, de retraités dans notre pays, est un mouvement d'une profondeur extrême, parce qu'il exprime la capacité démocratique de ceux qui constituent la majorité du pays de prendre en main le règlement des affaires que ce gouvernement d'incapables et d'impuissants ne permet pas de régler. Et ce mouvement converge avec un autre mouvement. Il y a en ce moment, sans doute en avez-vous entendu parler,
une mobilisation parmi les travailleurs de Sanofi, ex-Rhône-Poulenc, mobilisation en particulier contre un plan de suppression d'emplois. Il est quand même incroyable que ce qui fut naguère un des fleurons de l'industrie pharmaceutique mondiale, ce qui reste, je crois, le premier groupe français dans le domaine pharmaceutique, soit en pleine crise de la pandémie, conduit à prendre la décision de licencier en particulier 400 travailleurs de son secteur de la recherche pharmaceutique. Excusez-moi, j'ai fait tomber mes papiers. Cette incroyable décision, bien sûr, est pointée du doigt par les travailleurs et les syndiqués, et les syndicats aussi de Sanofi. Le syndicat CGT de Sanofi, dans un appel à la grève contre le plan de licenciement, hier 19 janvier, fait l'observation suivante. Je lis, c'est en page 3 de la tribune des travailleurs. Nous, syndicats CGT de Sanofi, nous appelons l'entreprise à mettre à disposition ses outils de production pour fournir un vaccin à toutes les populations du globe. À défaut, nous appelons à la réquisition des outils de production de Sanofi pour permettre la production massive des doses de vaccins le plus vite possible. Oui, Sanofi, on le sait, a été dans l'incapacité de produire en temps et en heure un vaccin qui puisse, en même temps que les vaccins de Pfizer, Moderna et d'autres, répondre à la demande mondiale. Cela d'ailleurs a rapport avec les plans de suppression d'emplois, la liquidation des services de recherche de Sanofi, etc. Mais comme le disent très justement ces travailleurs et ce syndicat CGT de Sanofi, les chaînes de production sont là et les travailleurs de Sanofi sont prêts à les remettre en marche. Ils en ont la capacité et ils en ont sans aucun doute la volonté dès lors qu'il s'agira de remettre en route les chaînes de production et de produire les vaccins que d'autres ont mis au point, mais de les produire en masse, de doubler, de tripler la production en cours et de répondre ainsi à la demande. Alors certes, cela exige que les brevets concernant les vaccins soient mis dans le domaine public. Cela exige d'une certaine manière que ces brevets soient réquisitionnés, que l'ensemble de l'industrie pharmaceutique, d'ailleurs dans ce pays, soit réquisitionné, nationalisé sans indemnité ni rachat. Cela exige que le processus de production du vaccin ne soit pas régi par l'exigence de profit d'une poignée de spéculateurs et d'actionnaires des multinationales de la pharmacie, mais que cette production soit réglementée par la réponse aux besoins de l'immense majorité. C'est la question soulevée dans l'éditorial de la Tribune des Travailleurs, qui, sous le titre Réquisition, indique que ce qui est en train de se développer devant nous, aussi bien cette prise de position des syndicalistes de Sanofi que ces centres de vaccination mis au point par des médecins et des personnels soignants, tout cela indique que commence à se mettre en marche un plan, je cite, de mobilisation des médecins, des infirmières, des personnels soignants ouvrant même les centres de vaccination, aussi bien que le plan de mobilisation des travailleurs organisés avec leurs syndicats pour remettre en chaîne les chaînes de production, remettre en route les chaînes de production. Ainsi se dessine en pointillé ce que sera un plan de réorganisation de la production par en bas, par la mobilisation librement organisée de millions de producteurs au service de l'immense majorité. Et bien sûr, un tel plan qui sera un facteur qui commencerait à modifier les conditions de réponse à la crise actuelle, exige que les dirigeants des organisations qui se réclament du mouvement ouvrier, les dirigeants politiques, les dirigeants syndicaux, cessent d'accompagner la politique de Macron, qu'ils rompent l'espèce d'union sacrée, ou en tout cas de pacte de non-agression qu'ils ont avec Macron depuis qu'ils ont voté les 343 milliards pour les patrons à sa demande le 19 mars dernier et qui se poursuit dans tous les domaines. Il est évident que cette question de la réquisition, de la réorganisation de toute la société, de la production, ouvre une alternative à la situation actuelle, celle d'un gouvernement de la classe ouvrière, d'un gouvernement répondant aux besoins de ceux qui n'ont que leur force de travail pour vivre, répondant à leurs besoins en matière de santé, en matière d'école et dans tous les autres domaines. Cela exige bien sûr de rompre avec Macron. La Tribune des Travailleurs, cette semaine, revient pour la troisième semaine sur la campagne engagée, sur l'appel intitulé Dehors Macron et sa politique, le plus tôt sera le mieux. Vous verrez dans le débat qui entoure cet appel dans la Tribune des Travailleurs, des délégués syndicaux qui ne sont pas membres du POID expliquer pourquoi ils adhèrent à cet appel. Pourquoi, dit l'un en particulier, il adhère à la formule le plus tôt sera le mieux, parce que la situation actuelle lui apparaît comme impossible qu'elle se poursuive. Pourquoi, dit l'autre, un autre délégué syndical,
Parce que pour arrêter Macron, on ne peut pas accepter la division qui sert Macron. Cette campagne se poursuit, elle s'élargit. Une troisième liste de signataires est publiée dans la Tribune des Travailleurs. Désormais, elle le sera au fur et à mesure sur le site de la Tribune des Travailleurs. Il est évident que cet appel ne vise pas seulement à obtenir des signatures, mais à permettre le regroupement de travailleurs, de militants qui le signent, leur constitution en comité pour en finir avec Macron, le plus tôt sera mieux, et que cela prépare, comme la proposition en est faite dans le journal, une conférence, une rencontre nationale des délégués de ces différents groupements de signataires. Et ceci, bien sûr, recoupe le combat engagé depuis de nombreux mois par des militants du Parti ouvrier indépendant démocratique et des camarades d'autres courants pour l'interdiction des licenciements. Dans la Tribune des Travailleurs, en page 6, le camarade Fabrice Criquet revient sur les manœuvres en cours de la direction d'Aéroports de Paris pour modifier les contrats de travail afin de pouvoir procéder à des licenciements tout de suite. Un accord avait été signé avec un certain nombre de syndicats qui stipulait que pour liquider 1150 emplois, la direction passerait d'abord par des plans de départ volontaires. Mais même cela n'était pas assez rapide. Cela supposait qu'il y ait un délai d'ici le 1er janvier 2022. Avant les premiers licenciements, alors, la direction a contourné les choses et elle propose de modifier immédiatement les contrats de travail et pour les travailleurs qui le refuseraient, de procéder au licenciement. Cela donne d'autant plus de force à l'exigence dressée par les rencontres nationales successives du Comité pour l'unité pour l'interdiction des licenciements, à savoir la nécessité d'une marche nationale unie à Paris à l'appel de toutes les organisations ouvrières pour imposer cette interdiction des licenciements. Pour l'instant, cet appel, on le sait, il n'y a pas été répondu à la hauteur de ce que souhaitaient les participants aux différentes rencontres, en particulier par les dirigeants des confédérations syndicales. Il reste que le 23 janvier prochain, à l'initiative en particulier des travailleurs licenciés de TUI, leur syndicat CGT, et d'autres organisations qui se sont jointes à elles, une manifestation pour l'interdiction des licenciements aura lieu à Paris. Ce n'est pas la marche nationale de millions dont l'unité qui serait nécessaire pour faire reculer le gouvernement, mais c'est un premier pas. Et le comité de liaison issu des différentes rencontres nationales pour l'interdiction des licenciements indique dans la tribune des travailleurs de cette semaine, indique les raisons pour lesquelles il appelle à participer à cette marche. Et le Parti ouvrier indépendant démocratique, sur le plan qui est le sien, sera évidemment présent dans cette manifestation avec ses drapeaux, ses mots d'ordre et regroupé en tant que tel dans le cadre de cette campagne. Bien évidemment, ce qui se passe dans la classe ouvrière trouve également son prolongement dans ce qui se passe dans la jeunesse. Nous avons à plusieurs reprises dans la Tribune des travailleurs dénoncé le véritable drame que connaissent les jeunes et tout particulièrement les étudiants. La presse, depuis, a à son tour fait écho à ce que il est coutume d'appeler la détresse des étudiants, la gigantesque détresse morale, psychologique, matérielle, financière, alimentaire même, à laquelle sont contraints des centaines de milliers d'étudiants. La mobilisation commence à grandir. La Tribune des travailleurs revient sur les initiatives prises en particulier par les militants de Jeunesse Révolution, qui, avec d'autres étudiants dans leur faculté, constituent les comités de défense des étudiants, qui multiplient les démarches en direction des directions d'université afin d'obtenir la réouverture dans des conditions sanitaires acceptables des amphis, des TD, et aussi pour faire en sorte que les étudiants puissent bénéficier de véritables examens en présence physique, d'examens loyaux, honnêtes, justes, et qui ne soient pas faussés par le jeu des examens virtuels avec tout ce que cela peut avoir d'aléatoire. Il y a d'ailleurs aujourd'hui même, ce 20 janvier, de premières manifestations, en particulier dans la région parisienne, d'étudiants sur ce thème-là. Dans la Tribune des travailleurs également, ce document assez exceptionnel, en page centrale, un appel lancé par des militantes et des femmes, elles sont 279 en tout, venues de 31 pays différents, et qui lance un appel pour proposer que se tienne une rencontre internationale des femmes travailleuses. À l'origine, ce sont les camarades Rubina Jamil, qui est présidente de la All Pakistan Trade Union Federation, la Fédération syndicale des travailleurs du Pakistan,
qui, en commun avec la camarade Christelle Kayser, secrétaire nationale du Parti ouvrier indépendant démocratique, avait fait cette proposition, à savoir que dans le cadre de la conférence mondiale du Comité ouvrier international contre la guerre et l'exploitation, conférence qui était prévue pour l'an dernier, qui a été reportée pour cause de pandémie, mais dont nous allons tout faire pour qu'elle puisse se tenir cette année 2021, que dans le cadre de cette conférence, en ouverture de cette conférence en quelque sorte, se tienne dans la journée qui précède une conférence spécifique d'une rencontre internationale de femmes travailleuses en rapport avec le mouvement ouvrier et reliée à la conférence plus générale du Comité ouvrier international. 279 femmes de 31 pays ont donc répondu à cette proposition avec comme première étape que les initiatives qui seront prises le 8 mars, journée internationale de défense des droits des femmes, que les initiatives prises à l'occasion de ce 8 mars soient en quelque sorte inscrites dans le cadre de cet appel international et préparent la conférence internationale de femmes travailleuses dont il est question. Vous prendrez connaissance de cet appel, vous le porterez le plus largement possible aux femmes travailleuses, aux jeunes femmes, aux jeunes filles autour de nous. De manière à ce qu'elles puissent continuer à s'y associer. C'est une initiative importante et nous serons amenés dans les prochains numéros de la Tribune des travailleurs de prolonger cette proposition, en particulier dans les propositions qui seront faites sur la commémoration du 8 mars en France. Bien sûr, dans ce numéro de la Tribune des travailleurs, une page entière est consacrée à la situation aux États-Unis. Les hasards du calendrier font que la Tribune des travailleurs étant imprimée le 19 janvier, elle ne pouvait pas rendre compte de la manière dont la passation de pouvoir, si l'on peut dire, entre Trump et Biden, allait se dérouler aujourd'hui. D'ailleurs, à l'heure où cette présentation du journal a lieu, nous ne connaissons pas encore la manière dont les choses se font. Nous savons une chose, c'est que Trump, en quittant Washington, a déclaré « Je reviendrai d'une manière ou d'une autre ». Et on comprend la menace qui est contenue dans cette phrase d'une manière ou d'une autre. Mais pas besoin d'attendre l'investiture de Biden pour se faire une opinion sur les conditions de son installation. Dans l'article publié dans la Tribune des travailleurs, il est indiqué, il est rappelé, car nous l'avions déjà dit, que Biden, qui prétendument est le candidat du camp progressiste, qui prétendument représenterait en quelque sorte la gauche, entre guillemets, par rapport à la droite, représente en réalité un parti capitaliste, le Parti démocrate, qui a reçu de la part des patrons des multinationales milliardaires aux États-Unis 4 fois plus de soutien financier que Trump lui-même n'en a reçu. C'est dire le lien qui unit la classe capitaliste à Biden, lequel Biden vient d'annoncer qu'il allait soutenir le super plan de relance de 1 900 milliards de dollars, c'est-à-dire grosso modo 1 600 milliards d'euros, qui vient d'être voté, plan de relance qui, pour l'essentiel, est un plan de soutien aux capitalistes, tandis que des dizaines de millions de travailleurs américains et leurs familles s'enfoncent chaque jour davantage dans la misère. Toute la difficulté de la situation tient au fait que les dirigeants du mouvement syndical, et en particulier de la puissante centrale syndicale AFL-CIO, comme l'indique l'article du journal consacré à cette question, multiplie les déclarations de soutien ouvert à Biden. Ainsi, cette déclaration de Richard Trumka, le président de la centrale syndicale AFL-CIO, qui, la semaine dernière, a déclaré: La Chambre des représentants est une Chambre des représentants pro-travailleurs, le Sénat est pro-travailleur, et nous avons le plus pro-travailleur des présidents depuis un demi-siècle. Quelle formidable opportunité! Et il ajoute: Dans une semaine et un jour, Biden sera investi. Nous sommes prêts à travailler avec lui chaque jour qui suivra. C'est le principal problème auquel les travailleurs américains sont confrontés, à savoir la volonté des dirigeants de la FL-CIO d'encamisoler les revendications dans les limites permises par l'administration Biden. Par exemple, la question cruciale aux États-Unis de la mise en place d'un système d'assurance maladie accessible à tous, ce que les travailleurs militants américains appellent Single Payer for All. Ceci qui avait été voté par la centrale syndicale AFL-CIO il y a 13 ans, 14 ans, qui reste soutenu par de larges secteurs du mouvement syndical comme une question vitale sans laquelle des dizaines de millions de travailleurs et leurs familles n'ont pas d'assurance maladie véritable.
Eh bien, d'ores et déjà, les dirigeants de la FL-CIO appellent à renoncer en quelque sorte à cette revendication pour une espèce de panier de soins minimum qui n'a rien à voir avec les exigences des travailleurs. Et puis une autre revendication centrale, qui est la revendication que les travailleurs puissent se syndiquer librement et qu'il leur suffit de payer leurs cotisations syndicales pour être syndiqués, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui aux États-Unis, où il faut d'abord un référendum au niveau d'une entreprise et qu'il soit majoritaire pour que le syndicat soit reconnu légalement. Là encore, il semblerait que l'administration Biden, avec le soutien des dirigeants de la FL-CIO, soit prête à ne pas la mettre en œuvre, à y renoncer pour répondre aux exigences de la classe capitaliste. Cela pose aux États-Unis comme dans le monde entier la question cruciale de l'indépendance des travailleurs et de leurs organisations, la question de l'indépendance des syndicats, et y compris d'une politique ouvrière indépendante qui, sur le terrain électoral, ne s'est pas exprimée puisque les travailleurs avaient le choix entre deux candidatures pro-capitalistes. Enfin, on trouvera dans la tribune des travailleurs la suite de nos informations sur l'Inde, et cette information importante, vous savez qu'il y a depuis de nombreuses semaines une puissante mobilisation paysanne en Inde et que des centaines de milliers de paysans occupent la capitale New Delhi depuis plusieurs semaines pour exiger l'abrogation des trois lois anti-paysannes du gouvernement. Eh bien, cette mobilisation n'a pas encore obtenu une victoire définitive, mais elle a obtenu une première victoire partielle ô combien importante, à savoir que la Cour suprême de l'Inde a été contrainte de suspendre les lois anti-paysannes. La mobilisation se poursuit pour le retrait définitif. Mais évidemment, cette information, comme toutes les informations qui concernent le combat des travailleurs et des militants dans le monde entier, surtout lorsque ce combat parvient à des résultats positifs, elles sont dans la tribune des travailleurs. Alors pour conclure, trois dates. Le 22 janvier, après-demain, se tiendra une conférence marxiste organisée par le courant trotskiste du Parti ouvrier indépendant démocratique sur le thème de la place centrale des diplômes dans le système de qualification de la force de travail, dans les grilles de classification, dans les statuts, par conséquent sur le lien qui existe entre le combat pour défendre les examens, le baccalauréat notamment, mais aussi les CAP, les BEP, la défense de ces examens et la défense des acquis ouvriers. Cette conférence, elle est en visio à partir de 18h le 22 sur le site de la Tribune des Travailleurs et présentera un grand intérêt pour tous les travailleurs, ceux de l'éducation nationale, enseignants, personnel ouvrier, personnel technique, les élèves, les parents des élèves, mais plus généralement les travailleurs et les militants ouvriers. Deuxième date, je l'ai dit, le 23, la manifestation à l'appel des syndicats de TUI pour l'interdiction des licenciements à laquelle nous serons présents. Et puis une date que je ne connais pas, mais qu'il faut bien évoquer, celle d'un possible retour au confinement. Nous vivons déjà sous un couvre-feu qui a été avancé à 18 heures. Peut-être demain, y aura-t-il de nouveau un confinement. À la une de la Tribune des Travailleurs, le journal s'adresse une nouvelle fois aux lecteurs, aux abonnés. La Tribune des Travailleurs vous a été utile en de nombreuses circonstances. Elle vous a permis de mieux saisir telle ou telle question, d'aborder un dossier que vous ne connaissiez pas. Elle a répondu à des interrogations que vous aviez. À votre tour, vous pouvez aider la Tribune des Travailleurs. Il est plus difficile, chacun le comprend, d'aller au porte-à-porte vendre le journal en fin de journée quand on est obligé de respecter le couvre-feu à 18 heures. Certes, et à juste titre, de nombreux comités du POID ont fait le choix de déplacer les porte-à-porte et les diffusions prévues en fin de journée dans la semaine pour les tenir, par exemple, le midi ou encore le samedi et le dimanche. Un effort considérable est fait par les comités du POID pour ne pas renoncer à la diffusion du journal. Mais vous pouvez, chacun d'entre vous, lecteurs, vous pouvez aider la TT à ne pas subir les conséquences de ce couvre-feu avancé, peut-être demain de ce retour au confinement. Le moyen d'aider, c'est simple. Vous réabonnez quand vous l'êtes, abonnez des gens autour de vous, commandez des journaux en plus pour pouvoir les vendre sous toutes les formes. Aidez-nous à ce que, comme c'est le cas d'ailleurs depuis le début du confinement, malgré le confinement, continue à progresser la diffusion militante et par abonnement de la Tribune des Travailleurs. La Tribune des Travailleurs a besoin de vous parce que vous avez besoin de la Tribune des Travailleurs. Faisons en sorte que dans cette situation où un large consensus entoure la politique du gouvernement, de tous ceux qui le soutiennent et de tous ceux qui, sans le soutenir verbalement, se refusent à l'affronter, que la voix singulière, la voix particulière de la Tribune des Travailleurs s'entende encore plus fort, encore plus loin, touche de nouveaux secteurs. Pour cela, chacun de vous peut y contribuer. Merci et bonsoir à tous et à toutes.